genre truculent. Déjà parce que c'est ta première mot. Ça veut dire genre ou en couleur mais un peu négativement. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'entends. Parce que genre je me sens en même temps tarpin triste, tarpin, tu vois mal genre, t'es pas bien. D'un autre côté, c'est la liberté et maintenant tu vois c'est vraiment une vie que j'ai choisie et je m'en plains pas du tout. Mais à part ça genre je trouve que t'es genre. Je suis pas connecté avec le reste du monde genre. Maintenant, tellement habitué que. Tu sais, je vois les gens qui sont super stressés et tout, je suis moins à côté. Des gens qui font plein de trucs, moi je fais mes bails. C'est comme si j'avais ma petite routine et à côté il y a le monde. Et quand j'arrête ma petite routine, boum. C'est truculent, genre. Je sors un peu du décor. Mais un peu négativement. Donc, truculent. Haut en couleur, mais. Mais genre, caca moisi, tu vois, niveau couleur. Genre, grosse crotte de bijou. Ouais, c'est long. Moi là j'ai fait ma réorientation professionnelle et donc là mon année en fait est complètement morte parce que j'avais l'opportunité de travailler dans un super restaurant et non rien en fait. J'avais prévu de bosser 10-12 heures par jour, là je bosse même pas 10-12 heures par semaine. Plus je m'ennuie un peu donc j'essaye de faire des choses mais au bout d'un moment je lis et c'est bon, je cuisine, voilà, mais la fin de ma journée elle est un peu. Elle est loin. Parfois, je me sens un peu seule et tout. Parce que, bah. Enfin, je suis pas tout le temps avec moi-même, mais. Avant, je travaillais, j'étais en cours, je faisais plein de choses, je voyais des gens, et puis maintenant, je me retrouve seule face à moi-même. Et tous les problèmes que j'ai pas réussi à régler, mais ils m'arrivent en pleine tête tout le temps. Alors, je cuisine, et paf! Et hop, une question existentielle, et hop, un petit complexe, et hop, hop, hop! Et ouais, c'est long. Ouais, en fait, c'est ça, c'est long. Non, mais c'est des hauts et des bas. Mes moods actuels, c'est soit ça va moyen-moyen, soit ça va hyper bien. En ce moment, c'est très drôle, parce que je pense qu'il m'arrivait beaucoup plus de trucs sur cette année et même l'année dernière que sur toute ma vie. Donc du coup, je suis là, bah c'est quand même drôle que ça m'arrive à ce moment-là, alors que normalement, t'as tout le monde qui est en train de faire une dépression. Il y a juste quelques jours où je serais, ah bah je vais pas me lever de mon lit, je vais rester faire dodo. Il y a cette rencontre improbable que j'ai faite qui m'a mené à ressentir des émotions qui étaient jusqu'à présent inconnues au bataillon. Et bah du coup, quand je suis avec lui, bah je me sens hyper bien. C'est incroyable, tu sais pas trop ce qui se passe, que tu te sens juste bien avec cette personne. Du coup, t'as envie d'être avec elle, de profiter. Et moi, je passe ma meilleure nuit concrètement à dormir dans ses bras. Écoutez.